السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, Inch'Allah. عليكم السلام ورحمة الله. Inch'Allah. Ce live sera sur le sujet du business aux Émirats Arabes Unis, Inch'Allah. Il n'y a pas le sujet sur le live. Comment ça se fait? Bon. Il n'y a pas le sujet sur le qui est noté sur le live. Bon, c'est pas grave. Tac 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 tac, ça c'est bon. Ok, on va le partager sur Jira Case. Voilà. Alors, sujet aujourd'hui, ça faisait longtemps que je devais le faire. Ben, du coup, je le fais maintenant. Donc ce sera sur le sujet du business aux Émirats. Donc on va aborder plusieurs points. On va aborder le point du type de société qui existe aux Émirats. On va aussi parler de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le business aux Émirats. Et ensuite, je vais finir par donner des idées de business aux Émirats, qui selon moi pourrait être intéressante, Inch'Allah, pour des personnes qui souhaitent se lancer ici. Il y en aura 6. 6 idées de business, Inch'Allah. Donc on va commencer directement à aller dans le vif du sujet. Alors, les différents types de statuts aux Émirats Arabes Unis. Donc j'en ai cité 5. Bon, déjà, je vais faire un petit préambule, une petite introduction. Donc moi, ce que je vous partage, c'est les informations que je connais. Je répète toujours ça au début pour bien que les gens prennent en considération le fait que voilà, c'est pas mon métier. Je suis pas en train de, comment dire, je gagne pas d'argent avec ça. C'est vraiment uniquement pour partager les informations que j'ai, pour éventuellement aider, Inch'Allah, les gens qui veulent s'installer aux Émirats et éventuellement se lancer dans le business. Donc voilà, j'ai une certaine expérience, j'ai des connaissances par le fait que voilà, je suis là aux Émirats depuis un moment et que voilà. Mais il se peut que des fois je vous donne des informations qui ne sont pas forcément à jour, parce que ici ça change très très vite. Ou bien des fois j'ai pas toutes les informations. Le mohim, je vous dis tout ça, c'est vraiment pour que vous sachiez que les informations que je donne sont, Inch'Allah, à prendre avec des pincettes, même si bon, moi ce que je donne, c'est les informations que je connais. Donc bon. Voilà, je préfère dire ça, comme ça c'est clair, Inch'Allah. Alors ensuite, donc les types de sociétés. J'en ai listé 5. Donc, il y a la freelance, il y a la free zone, il y a la LLC, il y a la Wakil al-Khadamat, je sais plus comment on l'a dit en anglais, service agent, je crois, je sais plus, non. Je sais plus comment elle s'appelle en français, en anglais. Et ensuite, il y a Fardi. Fardi, en anglais, c'est solo. Il me semble que c'est solo. Donc, ces 5 types de sociétés-là, donc c'est ceux que je connais. Moi, c'est les types de sociétés que je connais aux Émirats. Les freelances, après, il y a le offshore aussi, mais je ne connais vraiment pas du tout le offshore. Donc, je ne vais, vais pas aller sur ce terrain-là parce que c'est vraiment quelque chose que je connais peu. Donc, le freelance, je vais commencer avec le freelance directement. Donc, le freelance, c'est pour tout ce qui est statut de freelanceur. Donc, ça veut dire les gens qui sont dans la communication, les gens qui sont dans le développement, les gens qui sont en général dans le service, donc, et qui sont en freelance, comme l'intitulé le dit. Donc ça, c'est un type de société qui coûte moins cher en général que les free zones. D'accord ? Donc en général, le moins cher, c'est ça, c'est le statut freelance. Ce qu'il faut savoir pour les freelances, en tout cas à ma connaissance, c'est qu'il est très difficile ensuite d'ouvrir un compte bancaire de société. Donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Et ensuite, d'ailleurs, à la fin, je vais faire un petit, si j'y pense, et n'hésitez pas à me le rappeler, je vais faire un petit, je vais parler très rapidement des banques aux Émirats pour les sociétés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, Inch'Allah. Si vous avez des questions, posez-les, et à la fin, Inch'Allah, je répondrai.
J'essaierai de répondre à toutes les questions, bi-idhnillah. Donc, comme je l'ai dit, la freelance, donc c'est un statut qui est, comment dire, qui peut être bien pour une personne comment dire, qui soit a une solution pour pouvoir ouvrir un compte bancaire avec le statut freelance, ou bien qui a déjà une possibilité de rentrer son argent d'une manière différente. Quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher. Voilà, c'est quelque chose qui coûte pas cher. En général, ça coûte à peu près dans les 6 000 dirhams l'année. 5, 6 000 dirhams, 7 000 dirhams, 8 000 dirhams, c'est à peu près dans ces prix-là. De ce que je connais, ceux qui sont les moins chers pour les statuts freelance et les statuts free zone aussi d'ailleurs, c'est la Rajman Media City Free Zone, la Rajman Free Zone, il y a la Umm Al Quwain Free Zone, il y a la Sharjah Media City Free Zone. Après, il y a ceux de Dubaï aussi, mais je les connais un peu moins bien. Mais il y a celles de Dubaï aussi qui font des statuts freelance et free zone. Il me semble que c'est un peu plus cher. Ah oui, il y a Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah qui est pas cher du tout. La Rakaise, il me semble. Il y a la Rakaise et la Rakia, il y en a deux. Donc voilà, à voir. En tout cas, vous pouvez contacter directement les free zones, directement sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, etc. Vous allez voir, ils sont très réactifs en général et vous pourrez directement poser vos questions, même depuis la France, même si vous êtes de l'étranger. Vous posez vos questions et Inch'Allah, ils vont vous répondre. Et pareil pour les statuts free zone. Statut free zone ou freelance, c'est les mêmes organismes en général qui gèrent ces choses-là. Après, il y a un nouveau statut freelance qu'ils ont lancé à Abu Dhabi. Je connais personne encore qui a pu comment dire, expérimenter ce statut-là. Mais ce statut-là, en fait, il est vraiment pas cher du tout. Il me semble, c'est 500 dirhams. 530 dirhams ou quelque chose comme ça. 530 dirhams pour un visa. En plus, avec le visa, je crois qu'il est compris dedans. Enfin bref, c'est vraiment un truc à expérimenter en tout cas. Et ça, il faut voir, je pense, directement avec les autorités d'Abu Dhabi. Vous tapez freelance Abu Dhabi, je pense sur internet, vous allez trouver très facilement le lien, Inch'Allah, pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Il y a des articles qui sont sortis, des articles comment dire, de journaux officiels. Donc Inch'Allah, normalement, ça devrait être comment dire, une vraie info. Donc voilà, ça pourrait être très intéressant parce que c'est vraiment pas cher du tout. Donc ensuite les free zones. Alors les free zones. Donc déjà les freelances, je ne sais pas exactement comment ça marche au niveau de la facturation. Est-ce que vous pouvez travailler avec des sociétés? Normalement, vous pouvez travailler avec des sociétés aux Émirats. Hein, je pense pas qu'il y ait de problème à ça. C'est plus avec les particuliers des Émirats où ça peut être problématique parce que les free zones, par exemple, en général, les free zones, les statuts free zones, vous pouvez pas travailler avec les particuliers aux Émirats. Bon, après, je m'y connais vraiment pas bien dans ces réglementations-là. Mais n'hésitez pas à demander directement aux free zones, elles vont vous renseigner par rapport à ça, à ce que vous avez le droit de faire et pas faire avec ces différents statuts-là. Donc voilà. Ensuite, donc les free zones, ça commence à partir de 6 000 dirhams. Et ensuite, ça monte en fonction des free zones, en fonction des facilities, c'est-à-dire ce que vous allez avoir, est-ce que vous allez avoir un vrai bureau, en fonction des activités que vous allez avoir, en fonction de plusieurs choses comme ça. Donc ça, c'est Inch'Allah, renseignez-vous par rapport à votre activité. Vous vous renseignez directement auprès des free zones, comme je l'ai dit auparavant, et Inch'Allah, elles vont vous répondre par rapport à ça et vont vous donner plus d'informations. Ensuite, on a la LLC. Donc la différence entre la LLC et la free zone, c'est que la LLC, en fait, c'est le type de société de base. C'est-à-dire qu'aux Émirats, la plupart des sociétés sont en LLC. En LLC, c'est-à-dire c'est une licence dans laquelle vous pouvez avoir pignon sur rue. Par exemple, si vous voulez ouvrir un garage ou vous voulez ouvrir un restaurant, bah vous n'allez pas être en free zone pour faire ça. Free zone en général, ça va plus être des sociétés d'import-export où vous avez juste besoin d'un bureau en fait. Vous avez juste besoin d'un bureau, mais ensuite le reste de votre activité, elle se fait, on va dire, elle se fait pas via un magasin ou via quelque chose comme ça. Il y a quelques free zones qui sont des magasins, etc. Comme par exemple China Mall, Dragon Mart, je sais pas, mais China Mall en tout cas, c'est une free zone. C'est-à-dire que les boutiques qui sont dans China Mall à Ajman, c'est des free zones, c'est des sociétés en free zone. Mais c'est rare. C'est-à-dire que la plupart des sociétés que vous allez voir dans les rues, avec qui ont pignon sur rue, en général, c'est des sociétés soit en LLC, soit en Wakil al-Khadamat, soit en Fardé. Et je vais vous expliquer la différence entre ces trois-là.
Donc là, vous comprenez à peu près la différence entre les LLC, Wakil Al-Khadamat Fardi et Free Zone Freelance. Donc c'est vraiment deux choses un peu séparées. Ce qui est bien avec les freelances et les free zones, c'est que vous pouvez avoir 100% des parts de la société sans avoir un émirati avec vous dans la licence. Même en tant que wakil ou en tant que kafil ou en tant que quoi que ce soit, en tant que sponsor, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez pas du tout d'émirati avec vous. Par contre, les points négatifs, moi que je souligne en tout cas moi, pour ma part, parce que j'ai cette expérience-là des free zones et en dehors des free zones. Et personnellement, je trouve que les free zones, c'est très coûteux en fait pour pas grand-chose. Les free zones, en fait, ils ont leur propre manière de fonctionner des fois, qui fait que des fois, en fait, les visas sont plus chers. Même leur package, de manière générale, vous allez payer plus cher. Ils vont vous sortir, ils vont vous pondre des nouvelles lois. Je vous donne un exemple à la Hamadiyah Free Zone à Sharjah. Par exemple, voilà, ils ont commencé au fil des années à sortir des nouveaux trucs tout le temps. Et par exemple, ils ont sorti un truc, c'est vous devez tous les mois déclarer que vous avez bien versé les salaires à vos employés. Tous les mois, entre le 1er et le 7 de chaque mois, il faut aller sur le chat, sur le pas sur le chat, sur le comment dire, le portail en ligne, portail online, d'accord? Vous allez sur votre compte et ensuite vous allez donc mettre que vous avez bien versé les salaires entre le 1er et le 7. Si vous le faites pas, vous avez une amende de 700 dirhams. 700 dirhams, ça fait quand même combien actuellement avec le taux? Bon, le taux il change beaucoup en ce moment. Bref, ça fait un billet quand même, ça fait quelque chose. Donc 700 dirhams, c'est pas à prendre à la légère. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier par exemple. Bah voilà, tu payes l'amende. Bon, des fois, apparemment, on peut négocier. J'ai négocié plusieurs fois avec eux. Ils nous enlèvent un petit peu. Surtout, on va dire, dans les débuts, ils faisaient pas trop ça. Mais après, vu qu'il a commencé à avoir la crise, etc., et qu'ils ont perdu des entrepreneurs qui fermaient des sociétés, etc., bah, ils ont commencé justement à être plus souples à ce niveau-là. Mais voilà, il y avait aussi d'autres lois, ils ont mis des choses en place, qu'il fallait payer à chaque fois tous les ans pour renouveler telle chose, des trucs qui servent à rien en fait, que nous ils ne servent à rien, mais en fait faut les payer, faut les payer, faut les payer. Par exemple, tous les ans aussi, ils ne demandent pas de bilan comptable. Donc ce qu'il faut savoir aux Émirats, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'impôt. D'accord? Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a rien de tout ça. Donc ça, c'est une grande force d'ailleurs aux Émirats. Mais depuis quelques années, par exemple à la Free Zone, ils nous demandent de donner un bilan comptable. Mais par contre, vous avez la possibilité, un bilan comptable en général, vous allez voir n'importe quel comptable, en général, des comptables bon, de la Free Zone qui sont à côté de la Free Zone, etc. Ils vous prennent à peu près 1000 dirhams. 1000 dirhams pour pouvoir faire le bilan comptable, d'accord, de l'année. Donc vous avez le choix, soit vous donnez les 1000 dirhams au comptable, soit vous donnez les 1000 dirhams à la Free Zone pour ne pas donner le bilan comptable. Donc vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous demandent 1000 dirhams pour ne pas avoir à donner le bilan comptable. Donc en fait, ils préfèrent prendre les 1000 dirhams eux qu'on les donne à un comptable en fait. Donc voilà un petit peu, les free zones en fait, ils sont là vraiment. Les free zones, c'est des sociétés. Bon, même si en réalité, même l'État, un petit peu, il fonctionne un petit peu dans cette manière-là aussi. Mais les free zones, c'est encore pire parce que c'est une société en fait. Et elle est là pour faire de l'argent en fait, avec les sociétés qu'elle vend. Et avec les produits et les services annexes aussi. Donc voilà, s'ils peuvent vous rajouter des trucs que vous allez payer, et ben vous allez le payer en fait. Et vous n'allez pas avoir le choix en plus. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Alors qu'en général, en mainland, vous n'avez pas ces problèmes-là. En mainland, c'est-à-dire LLC, Wakil Al-Khadamat, Fardi, vous n'avez pas ces problèmes-là en général. C'est beaucoup plus réglé à ce niveau-là. Il y a moins de choses comme ça. Donc voilà un petit peu les différences entre le Free Zone Freelance et le Mainland. Voilà ce que j'ai pu dire par rapport à ça. Pour revenir donc au statut LLC. Donc le statut LLC, la différence entre Wakil Al-Khadamat et Fardi et LLC, c'est que LLC, un Émirati est censé détenir 51% des parts, au minimum. D'accord? Donc là, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais non, moi je veux pas donner 51% de mes parts à un Émirati. J'ai pas envie de m'associer avec un Émirati. Donc, c'est possible d'avoir une LLC, mais qu'en réalité, comment dire, en théorie, il y a 51% des parts qui sont à l'Emirati, mais en pratique, il y a 0% des parts qui sont à l'Emirati. En fait, la plupart des gens font ça d'ailleurs. C'est qu'en fait, ils prennent un Emirati qui se met en tant que partenaire à 51% des parts, mais ensuite, vous faites un papier avec lui. Vous faites un document officiel avec lui, d'accord, que vous allez faire au typing, vous allez le faire faire, etc. Vous allez le légaliser.
Et ce document-là, en fait, vous allez stipuler dedans que l'émirati en question, en fait, il n'y a rien qui lui appartient. Il n'a pas le droit au compte bancaire, il n'a pas le droit aux bénéfices, il n'a pas le droit aux biens de la société, au matériel, etc. Il n'a pas le droit aussi, s'il y a une revente de la société, il n'a pas le droit de récupérer quoi que ce soit de la vente. Donc en réalité, bon, c'est une association un peu fictive. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se fait très très couramment. Et voilà. Donc la plupart des gens font ça. Après, il y a un autre type de société qui est Wakil al-Khadamat. Wakil al-Khadamat, c'est le fait qu'en fait, vous avez 100% de la société à votre nom, d'accord? Mais de l'autre côté, il y a l'Emirati qui est en tant que Wakil. Il est là en tant que garant. Voilà. En gros, il est là en tant que garant. Et ce garant-là, pareil, comme la LLC, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas expliqué ça à la LLC, c'est quoi l'intérêt à l'Emirati dans la LLC qu'il fasse ça avec vous, c'est qu'en fait vous allez lui donner un loyer annuel. Vous allez lui donner un loyer annuel, tout comme pour Wakil al-Khadamat, tout comme pour Fardi si vous faites Fardi. Fardi c'est encore un peu différent. Bon, Fardi c'est un peu moins légal de faire ça, Allah alem, parce que c'est en réalité, tout est à l'Emirati et en fait rien n'est à vous sur les papiers. C'est-à-dire que tout est au nom de l'Emirati sur les papiers, mais en fait rien n'est à lui. Tout est à vous. Vous allez pouvoir dire que c'est risqué de faire ça, mais en réalité, si vous savez le nombre de sociétés qui font ça, c'est hallucinant. Tout le monde fait ça ici aux Émirats, enfin tout le monde. Il y en a beaucoup de gens qui font ça aux Émirats. Et franchement, Allah alem, de ce que j'entends, c'est qu'il y a très peu de problèmes. D'une, parce qu'on voit encore que les gens n'ont pas peur de le faire, donc c'est bon signe. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas forcément d'entourloupe qui se font. Et de l'autre côté, moi, de ce que j'ai vu de mon expérience, des gens qui font ça, ben en fait, j'ai pas vu qu'il y avait de problème à ça, en fait. Donc Fardi, en fait, c'est 100% départ à l'Emirati. Wakil al-Khadamat, c'est 100% départ à l'étranger, mais avec un Wakil qui est Emirati. Et LLC, c'est un Emirati qui détient 51% départ. Sachant que la LLC, il y a une réforme qui est en train de se faire, Inch'Allah, qui devrait passer dans peu de temps, je crois que c'est le 1er mars. Le 1er mars, normalement, il y a la LLC en fait qui va être possible à 100% départ pour un étranger sur certaines activités. Donc il faut regarder, il y a une liste. N'hésitez pas à me la demander en commentaire, je vais essayer de vous la donner après, Inch'Allah. J'ai le lien gouvernemental sur ça, avec la liste des activités justement qui rentrent dans ça. Donc voilà, en fait, pourquoi les gens font Fardi et donnent 100% départ à l'Emirati? Bon, sans lui donner en fait, il lui donne pas, il lui paye un loyer annuel, mais sur les papiers, il a 100% départ. Pourquoi ils font ça? En fait, ils font ça tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que la licence est moins chère, l'électricité est moins chère, l'électricité et l'eau, vous allez payer 4 fois moins cher. Voilà, vous avez des avantages comme ça en fait. Vous avez des avantages comme ça. Donc c'est pour ça en fait. Et Wakil al-Khadamat, pourquoi les gens ils font pas ça plutôt que la LLC? En fait, parce que ça dépend des types de sociétés. Par exemple, quelqu'un qui fait de la, comment dire, qui fait de la fabrication de par exemple de pâtisserie, il fait de la fabrication de pâtisserie, bah celui-là il peut pas être en Wakil al-Khadamat, il peut que être en LLC. Mais par contre celui qui vend des tiramisu, il peut être, c'est-à-dire qu'il achète des tiramisu et qu'il les vend, et bah celui-là il peut être en Wakil al-Khadamat. En fait il y a une liste, c'est pareil, il y a une liste d'activités qui sont éligibles au Wakil al-Khadamat et qui sont pas éligibles, comment dire, et qui sont éligibles au Wakil al-Khadamat et d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, vous êtes obligé de passer en LLC. Voilà. Donc je pense avoir fait un peu le tour sur ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, Inch'Allah. À la fin, je regarderai les questions et j'y répondrai, Inch'Allah. Alors, deuxième chapitre, on va parler, Inch'Allah, de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le business aux Émirats Arabes Unis. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle bien des Émirats Arabes Unis. Je parle pas de Dubaï. Je parle des Émirats dans sa globalité, d'accord? Pour moi, d'ailleurs, je vis pas à Dubaï, donc pour moi, les Émirats, c'est pas Dubaï. Les Émirats, c'est sept Émirats. Sept Émirats qui sont différents les uns des autres. Certains qui se ressemblent, d'autres qui se ressemblent pas du tout. Et ces sept Émirats-là, bah en fait, quand vous regardez Dubaï, justement, Dubaï, c'est celui qui est le plus différent en réalité, qui est le plus différent des autres. Donc moi, je connais un peu Dubaï, mais je suis pas spécialisé dans Dubaï. C'est-à-dire que c'est pas mon émirat, j'y vis pas, j'y travaille pas. Bon, j'y vais pour me fournir certains matériels, etc. Mais on va dire, j'ai pas une grosse connaissance de Dubaï. J'ai une connaissance plus large des Émirats, on va dire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir,
quand on vient aux Émirats, c'est qu'il y a beaucoup d'argent ici, et il y a beaucoup de, excusez-moi, il y a beaucoup de gens ici qui ont perdu énormément d'argent. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Quand on sait ça déjà, on se balade, c'est-à-dire qu'on se calme un petit peu, on pèse la situation, et on se dit qu'en réalité, il faut vraiment faire attention avant de se lancer, Inch'Allah. Il ne faut pas venir avec son argent comme ça et paf, on se lance. Il faut y aller doucement. Il faut prendre les informations. Il faut savoir, premièrement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Deuxièmement, qu'il y a des gens qui se sont fait escroquer. Donc il y en a qui ont perdu de l'argent parce que leur business n'a pas fonctionné. Mais il y en a d'autres qui ont perdu de l'argent parce qu'ils se sont fait escroquer. Parce qu'il y a des escrocs ici, faut faire attention. Il y a des escrocs des gens de France, il y a des escrocs des gens de partout, du monde entier. Mais même parmi les gens de France, il y a des escrocs. Donc faut faire attention. Faut bien demander, Inch'Allah, avant de vous lancer, avant de vous associer, avant de faire quoi que ce soit, vous renseignez bien, Inch'Allah. Vous renseignez bien auprès des gens du pays, auprès des gens qui connaissent le pays, vous leur demandez conseil. Et aussi, faut savoir, deuxième chose, que c'est un pays qui est très différent de la France. C'est très 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 différent de la France au niveau du business. Alors, vous avez votre business qui fonctionne en France, qui a fonctionné en France, ou bien vous voyez quelque chose qui fonctionne en France, et vous vous dites, bon, bah c'est bon, je vais lancer ça aux Émirats, oh, ils connaissent pas ça aux Émirats, je vais le lancer, ça va cartonner. Ça, c'est l'erreur numéro 1 des gens de France qui perdent de la, qui, comment dire, qui ne réussissent pas dans leur business aux Émirats. L'erreur numéro 1, c'est ça. C'est d'arriver et penser français, penser à la française. Ici, tout est différent. Je dirais pas tout parce que quand même la base du business, c'est du business. Et le socle, c'est le même dans le monde entier, le business. C'est acheter, revendre, faire des services, les revendre, etc. Enfin bref, le business, c'est du business. Sur ça, on se comprend. Mais la manière de le faire, elle est différente. Pourquoi? Parce que déjà, la population est très différente. La population française, c'est une population sédentaire. C'est une population. Si vous arrivez dans une ville en France, je dis une bêtise, vous arrivez à Lille, vous faites un business à Lille. Ben, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, la population, ça sera la même. Sauf qu'elle aura vieilli. Tu verras les mêmes. Tu auras les mêmes clients, mais qui auront 10 ans de plus. Mais ça sera les mêmes clients. Pourquoi? Parce que c'est un pays à ce niveau-là qui est stable. C'est-à-dire que c'est pas un pays où il y a du turnover, il y a du changement de population continuellement, comme ici aux Émirats. Ici aux Émirats, je sais plus c'est quoi la moyenne, mais il me semble que c'est dans les 2-3 ans. C'est-à-dire qu'une personne étrangère ici reste en général 2-3 ans. Et ici, 90% de la population est étrangère. Non, pas 90, il me semble c'est 80. Ouais, 80, il me semble, 80%. Donc, une grosse population étrangère, mais une population qui reste pas. Pour la plupart, il y en a qui restent bien sûr, mais pour la plupart, ils ne restent pas. Ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et voilà. Mais la plupart des gens ne restent pas. Donc ça, déjà, c'est un gros facteur. Parce qu'il faut penser fidélité. Comment vous allez fidéliser des clients qui ne sont pas amenés à rester? Donc vous allez faire les choses différemment. Comment vous allez vous adapter à ces populations? Parce que non seulement elles sont, comment dire, elles changent. Mais en plus de ça, elles sont étrangères. Il y a du melting pot, c'est-à-dire qu'elle est, comment on dit ça, cosmopolitaine. C'est-à-dire que il y a beaucoup de différentes cultures. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. Ils n'ont pas les mêmes habitudes d'achat. Ils n'ont pas les mêmes, comment dire, ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Ils consomment les choses différemment. Ils consomment les choses, voilà, différemment, tout simplement. Donc, en fait, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Quand vous venez ici, faut pas projeter la France à ici. D'accord? Faut vraiment se dire que c'est un endroit qui est totalement différent. Et ça, déjà, si on a compris ça, déjà, on a compris une chose très importante. Donc, ça, c'est la chose vraiment à savoir quand on se lance. La deuxième des choses, c'est que ici, ces propos-là, ça n'engage que moi. Je dis moi ce que je pense et ce que j'ai compris de ce pays-là et de ce que j'ai vu de ce pays-là. Maintenant, des fois, ça peut amener à des débats, des gens peuvent ne pas être d'accord, etc. Moi, je donne mon avis sur des choses sur lesquelles, voilà, je pense que c'est le cas. Après, certains vont dire non, ici, c'est comme ça, c'est pareil par rapport à ci, par rapport à ça.
Voilà, je sais pas, il y a peut-être des avis, des autres avis, mais moi en tout cas, là je vous donne mon avis. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment subjectif. Je vous donne des conseils de ma propre expérience et de mes propres informations. La deuxième des choses, c'est. Je suis en train d'oublier ce que j'allais dire. J'étais en train de penser à quelque chose et je viens de l'oublier. La deuxième des choses, subhanallah, c'est quoi, subhanallah? Oui, c'est que la deuxième des choses, donc là c'est une chose positive, c'est qu'ici il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent et c'est une population qui est plus dépensière, j'ai l'impression que c'est une population qui est plus dépensière que la population française qui est en France. C'est des gens, il y a beaucoup de gens en fait qui ont des gros revenus ici et qui vont dépenser très très facilement leur argent. Et même les gens qui sont ici en tant que touristes aussi, ils vont être amenés aussi à dépenser. Donc ici on peut viser les Émiratis, on peut viser les touristes, on peut viser les résidents, comment dire, haut de gamme, les résidents moyenne gamme, les résidents bas de gamme. Donc quand je dis bas de gamme, moyenne gamme, tout ça on se comprend, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus plus conséquents que d'autres. Donc on va viser une cible par rapport à justement à ces choses-là. Mais il ne faut pas se louper justement par rapport à ça. Exemple, il y a des gens qui ont fait, des Français qui étaient venus il y a, je crois, c'est une dizaine d'années. Ils sont venus à Ajman et ils ont fait une boulangerie française, boulangerie-pâtisserie française. Donc ils vendaient des pâtisseries à. Pourtant, ils ne les vendaient pas à 20 dirhams, hein, comme à Dubaï. Hein. Ils les vendaient à 10 dirhams. Mais ça n'a pas marché. Donc au bout de quelques mois, ils ont fermé. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas au bon endroit. Ils n'étaient pas au bon endroit. Ils ont vendu des produits. Sur laquelle il n'y a pas de demande, donc ils voulaient créer peut-être une demande de quelque chose, mais en réalité, les gens n'avaient pas l'habitude de consommer des pâtisseries à 10 dirhams. Les gens, ils achetaient des pâtisseries à 1 dirham, 2 dirhams, 3 dirhams. Donc, faut tout mettre comment dire, en perspective par rapport à ça. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais par contre, il y a beaucoup d'argent à faire aux Émirats. On peut faire de l'argent très facilement. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'impôts. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue énormément. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'impôts, c'est quelque chose qui fait que on peut faire beaucoup plus facilement de l'argent. Et si on fait de l'argent, en plus, tout rentre dans notre poche. Bon, il y a les frais, bien sûr, inhérents à la société. Mais c'est très minime quand on fait de l'argent. En fait, ici, il y a les frais de société que vous allez payer tous les mois, tous les ans, etc. Tous les ans, en général. Tous les ans. Tous les ans, vous allez avoir des frais de société. Ces frais de société-là, ils sont fixes. C'est-à-dire que vous gagnez 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros par mois, ben vous allez payer les mêmes frais. Donc si vous ne faites que 1 000 euros par mois, ben là forcément, ça va vous coûter cher, les frais. Et vous allez avoir du mal à vous en sortir. Alors que si vous gagnez ben, des grosses sommes, ben forcément tout rentre dans votre poche. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Je vais passer ce point-là, Inch'Allah. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des conseils que j'avais à donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. À la fin, Inch'Allah, je vais répondre. Parce que je pense que vous avez des questions sur ça, mais comme ça, Inch'Allah, je répondrai et ce sera plus parlant. Maintenant, je vais en venir aux idées de business. Donc, j'ai 6 idées de business que j'encourage vraiment les gens de le faire aux Émirats. Alors la première des idées, c'est de faire le business en fait que je fais moi. Moi en fait ce que je fais c'est que j'ai un site en ligne sur lequel je vends des qamis customisés sur mesure. C'est-à-dire que les gens peuvent customiser leur qamis et le faire sur mesure et ils le reçoivent à la maison directement en France et n'importe où dans le monde. Donc, moi ce que je fais c'est ça. Moi je pense que celui qui le fera en mode féminin, et eh bah, ben, il cartonnera encore plus que moi, bien Mashallah. Il cartonnera encore plus. Pourquoi? Parce que les jilbab et la abaya, bah, les femmes qui portent ces vêtements-là, en général, elles les portent tout le temps. En France, vous voyez pas des kamis tout le temps. Maintenant, c'est plus devenu occasionnel en plus de ça. Avant, il y avait plus de gens en kamis. Maintenant, il y en a de moins en moins. Donc, alors que les jilbab et la abaya, les femmes, elles vont les porter. Une femme qui porte le jilbab ou qui porte la abaya, elle va la porter toute l'année. À chaque fois qu'elle va sortir, elle va la porter. Donc déjà d'une, elle va l'user plus. Donc elle va avoir besoin de renouveler sa garde-robe plus souvent. Et en plus de ça, elle va devoir en avoir beaucoup plus. Parce que le fait de les porter tous les jours, bah forcément, il faut avoir plus de stock, entre guillemets. Il faut avoir une garde-robe plus complète.
Et troisième des choses, de manière générale, les femmes sont plus dépensières que les hommes. Donc, ces trois critères-là font que, Wallahu a'lam, pour moi, ce business-là, il devrait vraiment bien fonctionner. Et donc, j'encourage vraiment les gens à se lancer. Il y a des gens, la dernière fois, j'en ai parlé de ce business-là, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont posé des questions. Moi, tant que personne l'a pas lancé, je continuerai à conseiller aux gens de le faire. Mais Inch'Allah, quand il y aura quelqu'un qui l'aura lancé, j'arrêterai. Inch'Allah, j'en parlerai plus. Alors ensuite, là, il y a une autre idée de business que j'avais déjà donnée, je l'avais donnée en publication, mais je la redonne parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des cafétariats à vendre. Bon, aujourd'hui, il y en a toujours eu en réalité. Cafétariat, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bouboui qui vend du café, des petits déjeuners, des fois. Bon, il y a différents types, il y a deux types de cafétariats. Ceux qui vendent des petits déjeuners, café, tout ça, etc. Karak, etc. Le thé, etc. Et il y a ceux qui vendent plus un petit peu de fast-food. Ils sont un petit peu en mode fast-food. Ils font des jus aussi, ils font comment dire, des petits menus avec du poulet, avec des ci, des ça, etc. Ils font des petits trucs comme ça. D'accord? Ces cafétariats-là, vous en trouvez aujourd'hui dans les 30 000 dirhams. 30 000 dirhams, ça fait à peu près 7 000 euros. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce genre de business-là, il rapporte très très peu d'argent. D'accord? Les gens qui ont ce genre de business-là, en général, c'est des gens qui ont beaucoup de business. Ils en ont beaucoup. C'est-à-dire qu'ils gagnent. Il va gagner 1 000 euros de bénéfices ou bien même moins par mois, ça va lui suffire. Il va même prendre 500 euros de bénéfices par mois, ça va lui suffire. D'accord? Or que, voilà, quelqu'un de France en général qui se lance dans le business, il ne le fait pas pour gagner 500 euros par mois. En général, il le fait pour gagner des revenus plus conséquents. Donc moi, ce que je conseille, c'est de lancer à Warlem, de se lancer dans la pizzeria. Pizzeria ou bien n'importe quoi. Ça peut être des burgers gourmets, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui a une plus-value, c'est-à-dire que qui est quelque chose, on va dire, qui peut se vendre vraiment vraiment mieux. Et comment dire, l'axe principal de ce business, c'est la livraison. Il faut être dans un endroit où vous pouvez livrer des quartiers sur lesquels il va y avoir de la demande sur votre produit. Donc les choses qui vont être importantes dans ce business-là, c'est premièrement proposer la bonne chose. C'est-à-dire proposer le bon menu aux bonnes personnes et être bien placé. Voilà. Et bien sûr, exécuter de la bonne manière. Faire une bonne communication, etc. Tout ça, etc. Et moi, de ce que je vois à Harlem, c'est qu'il faut à peu près 20 000 euros. 20 000 euros, tout compris. Mais par contre, ce que je conseille, c'est de se lancer à deux. Le meilleur, moi, je pense, sur ce business-là, c'est d'être à deux. Il faut qu'il y ait une personne qui soit plus en mode gestion de la cuisine, qui soit un peu manager dans sa cuisine, c'est-à-dire qui gère le côté comment dire gustatif de la chose, on va dire ça comme ça, et l'autre qui va gérer plus la partie communication, business, etc. Voilà, qui va plus gérer ça. Il faut que les deux soient complémentaires à ce niveau-là, Inch'Allah. Moi, je pense que c'est vraiment un truc qui se fait à deux. Par contre, à trois ou à quatre, ça risque d'être compliqué parce que les revenus vont être peut-être, je sais pas, après peut-être ça peut cartonner. Mais à deux déjà, c'est déjà bien. Mais à trois, après, c'est que c'est compliqué de diviser par trois après des bénéfices d'un petit business comme ça. Je pense que ça peut être compliqué. Mais tout seul, c'est un peu difficile. Alors là, je pense que tout seul, c'est un peu difficile, même au niveau de la motivation, etc. Tout ça. Après, ça dépend. Hein, ça dépend des personnalités des gens. Il y a des gens qui peuvent se lancer tout seul et que ça soit très bien pour eux. Mais donc ça dépend vraiment des gens. Donc voilà pour ce business-là. Pour les cafétérias qui sont à vendre, vous pouvez aller sur le site Dubizzle. Vous allez sur Dubizzle, vous allez avoir, il y a une rubrique Business for Sale. Business is for sale. Vous allez sur cette catégorie-là et vous allez voir, il y a plein de catégories, il y a plein de business à vendre. Vous cliquez dans le filtre et vous tapez cafétéria et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Voilà, ou bien vous tapez restaurant, cafétéria, peu importe. Et voilà. Pourquoi c'est mieux de le faire? D'en racheter un plutôt que d'en faire un à zéro, c'est-à-dire de louer un local et de le faire à zéro. C'est faisable aussi, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous avez beaucoup d'autorisations à sortir. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, même peut-être pendant longtemps, vous allez payer des loyers dans le vent. Pourquoi? Parce que vous avez besoin du local pour pouvoir faire votre licence, mais vous avez besoin de la licence ensuite pour demander vos autorisations. Et les autorisations, ça peut prendre du temps. Donc les autorisations dans les restaurants, ça peut prendre du temps. Donc moi, je vous conseille d'acheter un restaurant ou un cafétéria, même si c'est quelque chose qui ne marche pas, parce qu'elle fait quelque chose de différent que ce que vous allez faire, ben, vous pouvez acheter, racheter ça et c'est plus simple.
Et même, vous avez déjà quelques matériels, vous avez déjà la déco qui est déjà prête, vous avez déjà des employés qui sont déjà prêts, des livreurs peut-être, peut-être des motos, etc. Donc voilà. Et il faudra bien sûr travailler avec Zomato, Talabat, etc., les Uber Eats, on va dire, des Émirats, pour bien sûr développer Inch'Allah, la livraison. Ensuite, le troisième business, la troisième idée de business, c'est comment dire, le tiramisu. Donc, de faire fabrication de tiramisu. Fabrication de tiramisu, en fait, il y avait quelqu'un qui l'avait fait à l'époque. Et en fait, ce qui leur a manqué, en réalité, je pense, c'est vraiment de démarcher beaucoup plus les restaurants, les cafés, etc., etc. Et de leur proposer, en fait, les produits. Parce que, en fait, quand ils ont travaillé justement avec quelques restaurants, bah, ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants en fait qui étaient intéressés et ça partait très bien. Ça partait vraiment très bien. Donc les gens, ils étaient vraiment fans des produits. Donc il suffit franchement je pense, de bien démarcher et ça peut bien marcher, ça, de faire la fabrication de tiramisu. Ensuite, quatrième idée, faire un garage. Donc ça, j'en ai parlé aussi pendant le dernier live. Dans le live, c'était sur les investissements. Et j'avais parlé du garage. Le garage, bon. Soit c'est une personne qui est déjà mécano ou bien peintre ou bien voilà carrossier, etc. Dans ce cas-là, cette personne-là, c'est elle qui va être manageuse directement. Cette personne-là va être manager de son business. Et voilà, elle va mettre son argent, etc. Et elle va se lancer. Elle va peut-être prendre des employés en plus pour avoir une plus grosse, on va dire, un plus gros rendement, etc. Plus de rapidité de comment dire, de travaux, etc. Mais voilà, ça peut se faire de cette manière-là, ou bien ça peut se faire, quelqu'un qui veut investir, par exemple, qui veut ouvrir un garage, il va mettre quelqu'un, c'est-à-dire vous allez trouver un bon mécano, pas forcément sur place, plutôt vous le ramenez de France, vous ramenez de France un bon mécano, d'accord? Et vous le mettez dans le mahal, dans le garage, et c'est lui qui va être le mécano, inchallah, ou bien le peintre, ou bien le carrossier, et il va gérer l'équipe. C'est lui qui va être le chef d'équipe un petit peu et qui va gérer le business. Et vous, en fait, vous allez être investisseur de ça. Il y a, je pense, deux manières de le faire, ça. Donc voilà, mais garage, en tout cas, il y a vraiment une grosse demande. Il y a une grosse demande. Donc si quelqu'un vient et qui fait vraiment du bon boulot, franchement, ça peut vraiment être très très intéressant. Ça peut vraiment être très très intéressant. Déjà, juste avec les Français, déjà, il y a du travail. Parce que moi, la plupart des gens que je connais, franchement, ils sont dégoûtés des mécanos d'ici. Parce qu'ils sont vraiment pas sérieux. De manière générale, ils sont vraiment pas sérieux. Déjà que les mécanos, de manière générale, le monde de l'automobile en général, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de, comment dire, de mensonges, il y a beaucoup de tout ça, et même en France. Mais ici, c'est multiplié par je sais pas combien. Et en plus, c'est rajouté avec beaucoup d'incompétence. À la rigueur, en France, il y a la compétence quand même. Mais ici, aux Émirats, c'est une incompétence, mais royale. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il s'est bricolé un petit peu, bah, demain, il devient mécano. Et il se forme sur le tas, en fait. C'est-à-dire, il se forme sur le tas, et voilà. Mais il connaît pas vraiment les voitures, en fait. En général, il y a beaucoup de mecs comme ça, j'ai remarqué. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment une très très bonne idée. La cinquième idée de business aux Émirats, ça, c'est un business, je pense, comment dire, qui peut vraiment bien marcher, parce que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une grosse demande sur ça. C'est les lits cabanes, les lits tipis, voilà, les lits un petit peu qui sont un peu tendance en France, même actuellement. Ça fait déjà quelques années que c'est à la mode en France, mais ici, en fait, ça commence, et en réalité, il y a très peu d'offres sur le marché. Et c'est très très cher. Et moi, de ce que j'ai vu d'ailleurs, même les trucs qui sont chers, c'est-à-dire que même si vous trouvez des lits très très simples à 200 euros, ben, il n'est même pas qualitatif, en fait. Il n'est même pas qualitatif, c'est même pas du bon bois, de la bonne qualité, etc. C'est pas terrible, en fait. Donc si vous allez, vous faites au début, en fait, c'est un business en plus qui peut se démarrer avec 0 euros. Enfin, quand je dis 0 euros, on va dire une centaine d'euros, 200, 300 euros peut-être. Mais qui peut se démarrer avec moins de 1000 euros. Pourquoi? Tout simplement, en fait, vous allez travailler avec un menuisier sur place, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un atelier de menuiserie. Vous travaillez avec lui, vous allez faire des samples avec lui, c'est-à-dire des échantillons de modèles. D'ailleurs, vous allez faire 3-4 modèles peut-être. Vous allez les prendre en photo dans un bel environnement, une belle petite chambre d'enfant, etc., etc. Et vous faites un Instagram, tout simplement. Un Instagram, des réseaux sociaux.
Et ensuite, vous faites la publicité de ça sur les réseaux sociaux. Vous essayez de travailler avec des influenceurs éventuellement, vous essayez de travailler, bref, votre marketing comme vous pouvez. Et vous faites connaître comme vous pouvez, Inch'Allah. Et après, franchement, ça peut vraiment bien marcher. Et vous pouvez faire des bonnes marges. Vous pouvez faire des bonnes marges parce que c'est quelque chose qui est très simple à réaliser. C'est franchement, c'est 3-4 planches. 3-4 morceaux de bois qui sont assemblés entre eux. Et ça y est, ça fait l'affaire. Après, vous pouvez rajouter une petite touche. Vous pouvez faire, par exemple, sur les lits Tipeee, vous pouvez faire une. Parce que sur les lits Tipeee, en général, il y a un drap sur un côté. Il y a un drap, donc ce drap-là, par exemple, vous pouvez le faire personnaliser, par exemple. Vous pouvez le faire broder au nom de l'enfant, ou ce genre de choses. Donc il y a plein de choses à faire, même à développer à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que je pense qu'il y a un bon créneau à prendre sur ce business-là. Donc, Allah Alem, c'est à peaufiner. Après, ce que je dis, bien sûr, il ne faut pas le prendre comme acquis. Ah, bah c'est bon, Mimoun, il l'a dit, ça va marcher. Non. Moi, ce que je pense, c'est des idées. C'est des idées auxquelles j'ai pensé. Je pense que ça va marcher. Je pense que ça marcherait. Mais après, il faut faire les sababs, il faut faire les causes. Faire les causes pour vraiment voir si c'est quelque chose qui peut marcher. Faut prendre la température. Faut essayer de regarder un petit peu, Inch'Allah. Pas se lancer comme ça. Donc ça, c'est un business qui peut se lancer avec très peu d'argent, comme je l'ai dit, mais qui peut se lancer aussi avec de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez le lancer en fabriquant beaucoup de pièces. Vous les, comme ça, quand vous allez fabriquer plus de pièces, vous allez les payer moins cher. Donc là, après, vous allez commencer à les vendre. Vous pouvez aussi lancer directement votre propre atelier de menuiserie. Bon, là, je pense que ça, c'est par contre, ça serait trop risqué. Je pense que ça, il faudrait attendre. Le mieux, ça serait de lancer le business en travaillant d'abord avec un menuisier, un atelier de menuiserie qui est déjà présent aux Émirats. Il y en a plein un peu partout, hein. Et une fois que vous avez fait ça, que vous voyez que ça fonctionne et que ça prend bien, là, vous commencez à avoir pour faire votre propre atelier et avoir vos propres employés qui vont vous faire les confections et la menuiserie. Et ensuite, vous les vendez, Inch'Allah. Mais je pense que vraiment, ça peut être un bon business. Allah Alain. La dernière idée, alors celle-là, c'est The ID. Franchement, mashallah, c'est vraiment quelque chose, je pense, la personne qui fait ça aux Émirats, elle peut faire des millions. Là, je parle pas des licabanes, je parle pas des petits garages, je parle pas de tout ça. Vous allez pouvoir faire de l'argent, mais vous n'allez pas faire des grosses sommes. Vous allez vivre avec, alhamdoulilah, mais vous n'allez pas faire des grosses sommes, vous n'allez pas faire des millions. Mais franchement, le dernier business, le sixième là, celui qui le fait, Allah Alam, qui le fait bien, franchement, il peut faire vraiment des millions. Et ce business-là, c'est quoi? C'est de faire Oscaro, tout simplement. Oscaro, c'est quoi? C'est une plateforme de vente de pièces automobiles en ligne. Aux Émirats, ça n'existe pas. Vous allez me dire comment c'est possible. Les Émirats, c'est développé et tout, comment ça se fait? Technologie, ils sont à la pointe, etc. Non, ils sont en retard sur Internet. Sur le e-commerce, ils sont en retard. Pour vous dire, moi, quand je suis arrivé aux Émirats, IKEA n'avait pas de site e-commerce. Carrefour n'avait pas de site e-commerce. À l'époque, il n'y avait que Sourcq.com. C'est tout. Sourcq.com, c'est devenu Amazon d'ailleurs. Ça a été racheté par Amazon. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Imaginez-vous, vous êtes arrivé comment dire, dans un pays où en fait tout se fait. Déjà dit, il y a même très peu de gens payés par carte bleue. À l'époque, tout était en cash. Tout se faisait en cash. Vous aviez que de l'argent dans votre portefeuille. Il n'y avait pas des cartes bleues comme aujourd'hui. Tout le monde paye en carte bleue. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde paye en carte bleue. Vous allez à Carrefour, à la queue, vous allez regarder à la caisse les gens devant vous allez voir, ils payent tous en carte bleue. Il y a 5 ans, 6 ans, personne payait en carte bleue. Il y en avait 1 sur 10 peut-être. Tout est en train de changer. Ça change très vite. Mais nous, ce qui est bien, c'est que nous, on vient de France. Comme on vient de France, on a la vision de comment ça s'est passé ça en France. Comment cette transition, elle a eu lieu en France. Et bah, comme vous avez déjà ces informations-là, bien sûr, en prenant en compte ce que j'ai dit au début du live. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas non plus transposer ce qui s'est passé en France avec ce qui se passe aux Émirats, et de transposer vraiment la manière de faire qu'on ferait en France et la manière de faire aux Émirats. C'est deux pays très différents, hein, sur beaucoup d'aspects. Mais je pense que sur ça, en tout cas, je pense que faire ce business-là, il va y avoir une grosse demande. Pourquoi? Les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. C'est une mission totale ici pour trouver des pièces. C'est vraiment une galère. C'est mal organisé. Même les magasins sont mal organisés. Donc, trouver des bons fournisseurs, faire un bon site, faire une bonne communication. Mais là, par contre, c'est pas un business que vous allez lancer avec 10 000 euros. Là, si vous voulez vraiment faire un gros truc qui marche bien, il faut mettre des sous.
Il faut mettre des sous. Si vous ne les avez pas, trouvez un investisseur. Même aux Émirats, trouvez un Émirati, n'importe qui. Vous allez trouver des gens qui vont vous donner de l'argent pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Si vous vendez bien le projet, vous avez fait un bon business plan, vous avez un bon truc, franchement, là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est vraiment quelque chose, il y a un bon billet à faire. Que ce soit la pièce neuve ou même sur la pièce d'occasion. Faire un site aussi pour les pièces d'occasion, je pense même ça peut être intéressant. Il y a vraiment un gros business à faire. Donc, voilà. C'était les 6 idées business que je vous ai donc conseillé de faire. Maintenant, si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais commencer à répondre, Inch'Allah, aux questions. Alors, est-ce que j'ai tous les commentaires ici? Bah non, j'ai pas tous les commentaires ici. Alors. Ah, c'est bon, je les ai. Ça coupe beaucoup. Ah mince. Ah, du coup, j'ai pas regardé les commentaires depuis tout à l'heure. Et du coup, je viens de voir que ça coupe beaucoup. Je sais pas s'il y a eu que ça comme commentaire. Tac, tac, tac. Alors. Bon, je vais répondre aux commentaires que je vois. Je sais pas s'il y a eu que ça. D'habitude, il y a plus de commentaires, mais là, il y en a que 16. Je vais regarder. Mais non, même 16, je les ai pas ici. Tac, tac, tac. Je vais essayer de la regarder ici. Alors, je vais regarder, il y en a combien ici? Oui, il y en a eu plus, il y en a eu un peu plus. Bon, je vais essayer de faire ça ici. Alors. Alors, il y a de légères coupures. Ok. Alors, on va redescendre. Il y a du travail en tant que développeur web. Franchement, bon, développeur web, déjà, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, du travail en tant que développeur web, en réalité, bon, t'as pas besoin de trouver tes clients aux Émirats, en réalité. Développeur web, c'est quelque chose que tu peux faire en ligne de partout. Donc, c'est quelque chose, j'ai envie de te dire, ça, c'est quelque chose, tu vas être, comment dire, tu vas être mondial. Après, peut-être, tu me parles de travailler pour une entreprise ici. Peut-être qu'il y a il y a du travail. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé ici en tant que développeur. Bon, il a pas apprécié, ça s'est pas très bien passé. Il n'était pas très bien payé. Bon, la boîte fonctionnait pas très bien non plus. Donc, il a, du coup, il a, il a même il a, à un moment donné, il le payait plus, etc. Enfin bref, il a eu des mauvaises expériences. Après, ça veut pas dire que c'est partout comme ça, hein. Il y a peut-être des gens qui ont eu des très bonnes expériences. Mais, voilà, Allah alim. Il y a beaucoup d'Indiens, ce qu'il faut savoir sur ces métiers-là. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont. Il y a beaucoup d'Indiens surtout. J'allais dire d'autres nationalités, les Philippins aussi, c'est vrai. Mais beaucoup d'Indiens. Les Indiens, franchement, ils sont vraiment sur ce créneau-là, l'informatique. Et ils sont pas chers du tout. Donc, c'est pour ça, en fait, vous avez de la grosse concurrence à ce niveau-là. Alors. Ensuite. Alors, regarde sur Pôle emploi la dernière fois. J'ai vu deux offres d'emploi pour Dubaï. Ah, là, il répond pour le développeur web. Ok. Et qu'est-ce qui en gagne du coup l'Emirati de cette association fictive? Ah oui, donc après j'ai répondu. J'ai bien dit qu'il prenait un loyer annuel. Le loyer sur lequel on s'entend avec l'Emirati est-il renouvelable? Si l'affaire marche très bien, il peut demander d'augmenter son loyer l'année d'après par exemple. Ça je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faudrait en parler, Inch'Allah. Il faudrait demander. Mais, c'est possible. Franchement, c'est possible. Je sais pas du tout. Sur ça, je vais pas avoir de réponse. J'ai pas eu vent de ça. Voilà, donc je vais pas. Et moi, ça, j'ai pas eu cette expérience-là non plus. Allah Allah. Est-ce qu'il y a des groupes francophones qui partent à la Mecque depuis les Émirats? Bon, c'est un peu hors sujet. Bon, je vais répondre rapidement. Oui, il me semble qu'il y a des groupes francophones. Oui, il me semble. Il me semble qu'il y en a. Voilà. Salam, mon frère, je te recommande. Je suis Ismail. On s'est vu au McDo. Tu étais. Un bon conseil et je t'en remercie. Ah oui, mashallah, Smeril. J'espère que ça avance ton projet, mon frère. Qu'Allah te facilite. À deux, c'est beaucoup mieux pour la gérance. Deux yeux, c'est mieux. Ouais, du coup, il y en a quatre des yeux alors. S'ils sont deux. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. À deux, ça peut être vraiment bien, mais il faut que ça soit une bonne association, Inch'Allah. Faut que ça soit vraiment deux personnes qui se complètent. Qui sont motivés les deux, qui se motivent l'un et l'autre, qui ont un bon, comment dire, deux bonnes personnalités en fait. Il faut vraiment que ce soit deux bonnes personnalités, Inch'Allah.
Alaikum salam. Amazon EAE marche-t-il bien dans le pays? Oui, de ce que je sais, c'est quelque chose qui marche très très bien. Ils ont, pour vous dire, Amazon a racheté Sourq.com, je crois. Attends, je me rappelle plus du prix. Non, je vais pas dire de bêtises parce que je me rappelle plus du prix, mais Mohim, c'était très cher. Ils l'ont vraiment acheté très cher. Sourq.com, ça fonctionnait déjà très bien. Maintenant, ils ont des concurrents maintenant, par contre. Ils ont des concurrents qui n'y avait pas à l'époque. Maintenant, il y a Carrefour qui fait Marketplace, il y a Imax, il y a, comment il s'appelle, Noon. Il y en a beaucoup qui... Bon, après, ils font pas tout ce que fait... Il fait pas tout ce que fait, comment ça s'appelle, Amazon, parce qu'Amazon, c'est vrai qu'il propose vraiment tous les produits divers et variés. Il y a même de la nourriture, il y a de tout. Mais voilà. Oui, j'ai entendu. Alors, oui, j'ai entendu. Alors, attends, j'en suis où là? Oui, j'en suis là. Qu'est-ce que tu conseilles si on vient pour un poste cadre, exemple consulting dev web, mais qu'on veut en parallèle lancer une affaire à côté? Sans s'impliquer dessus à 100% pour faire rentrer de l'argent, voire retraite. Bah oui, pourquoi pas. De toute façon, que ce soit dans le monde entier, pourquoi pas. Si tu travailles dans un métier qui te laisse un peu de temps libre et qui te laisse la possibilité d'entreprendre, pourquoi pas, bien sûr. Et puis même peut-être quitter ton taf à un moment donné si tu vois que ton business fonctionne bien et que justement et qu'il te plaît plus. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, oui, j'ai entendu que les Indiens cassaient les prix pour le dev. Wallahu a'lam, en France, c'est bien payé, ça peut donner de fausses idées. Ouais, c'est vrai. Après, ici aussi, ça peut être très bien payé, mais ça dépend vraiment de tes compétences, en fait. Parce que même dans le dev web, il y a les juniors, il y a les seniors, il y a les big seniors. Si tu es quelqu'un qui peut gérer une équipe, etc., etc., là, ils vont peut-être prendre un Français pour gérer une équipe, pour vraiment faire l'organisation, pour tout ça. Là, ils peuvent prendre un français pour ça, un chef de projet, etc. Mais par contre, pour le clac, 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 là, par contre, non. Là, ils vont prendre quelqu'un qui fait clac, clac, clac et qui prend pas cher. Tout simplement. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le e-commerce, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une free zone? Alors, ça, j'en ai parlé au début du live. Non, le e-commerce, ça peut se faire en mainland aussi, bien sûr. Il y a des sociétés en mainland qui proposent le e-commerce. Inch'Allah, il y a aucun souci pour ça. Oui, ça avance, je te tiendrai au courant, Inch'Allah, avec plaisir. Qu'Allah vous mette la baraka. Alaykoum salam wa rahmatullah, barakallahu fik pour ton live. Est-ce que tu as des infos utiles concernant le marketing d'influence aux Émirats? Non, franchement, je m'y connais très peu dans ça. J'ai pas vraiment d'expérience sur ça. Je sais que c'est quelque chose qui, comme en France, qui a énormément d'ampleur. Parce que je sais qu'il y a des développeurs, des influenceurs ici aux Émirats qui se font payer des grosses sommes pour venir dans des restaurants, pour présenter des produits, pour ci, pour ça. Donc oui, je pense que c'est pareil qu'en France, hein. Je pense que c'est pareil qu'en France à ce niveau-là. Ça fonctionne bien. Mais après c'est comme en France, je pense aussi, hein, parce que moi j'ai pas vraiment cherché moi à travailler avec des influenceurs. C'est plutôt des fois des influenceurs entre guillemets, parce que c'est pas des gens qui ont des millions, mais des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui viennent me voir, qui me disent voilà, est-ce qu'on peut faire un partenariat, etc. Bon, j'ai déjà fait, mais des fois je trouve que c'est pas fou, quoi, c'est pas très rentable. Bon, moi je paye pas, de toute façon, je paye pas en général, donc voilà, je donne un khamis, tu me fais de la pub, je vois ce que ça donne. Mais même en faisant ça, je vois que c'est pas très rentable. Même en faisant ça, alors que c'est pas grand chose un khamis, mais franchement, c'est pas très rentable. Faut peut-être voir vraiment avec les gros, comment dire. Les gros influenceurs qui prennent peut-être des sommes raisonnables, mais qui sont très influents. Il doit y en avoir. Je pense qu'il faut faire le tri avec ça. Il y a des agences qui gèrent ça aussi, donc il faut peut-être voir directement avec les agences. Mais je m'y connais pas très bien dans ça. Donc je vais pas m'aventurer à en parler plus. Wallah alam. Bah écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de bugs. C'est peut-être pour ça que Allah alam, il n'y a pas beaucoup de questions. Bah écoutez, c'est fini, alhamdoulillah. J'espère que ça a pu être profitable. Là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Allah alam. Donc, Inch'Allah, barakallahu fikoum. Et Inch'Allah, elle va rester en ligne, la vidéo, pour qu'elle puisse par la suite être partagée, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, en espérant que ça a pu être utile, Inch'Allah, aux frères et aux sœurs qui ont suivi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.